Mais c'est sur ce qui est écrit. It is about what is written is written. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose spécial qui est écrit dans la Bible. And today I'm going to speak about something special that is written in the Bible. Parce que la Bible est composée des choses que Dieu a dit. Because the Bible is composed of things that God has said. Alors il y a beaucoup de choses que Dieu a dit. There is so many things that God has said. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose de spécial que Dieu a dit. And today we're going to see something special that God has said. Parce que Dieu a dit la chose. Because God has said the thing. Cela a été écrit. And that was written. Tout ce que Dieu dit. Everything that God says. Il y a les anges autour de lui qui sont là seulement pour écrire ces choses là. There are angels around him just to write those things. Quand Dieu dit quelque chose, whenever God says something, il y a les milliards d'anges qui sortent. There is a multitude of angels around. Pour faire que cette parole puisse être accomplie. For that word to be accomplished. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. We're gonna read in the book of Genesis. Genèse 1. Genesis chapter 1. Je crois à partir de 26. From verse 26. Genesis 1, 26. Genèse, c'est la page 1 de ta Bible. It is the first page in your Bible. Nous allons nous lever pour lire la Bible. You're gonna stand up to read the word. Quand tu as ta Bible et tu regardes les choses pour toi-même, whenever you got your Bible and look at things yourself, directement tu te dis toi-même que là, l'homme de Dieu n'est pas en train de mentir. Immediately you will see that the man of God is not lying. Donc, il est en train de dire les choses qui sont dans la parole de Dieu. He is saying things that are in the word of God. Amen. Amen. Genèse 1, je vais lire à partir de 26. We're going to read from verse 26. Puis Dieu dit, and God said, faisons l'homme à notre image. Let us make man in our image. Selon notre ressemblance. After our likeness. Qu'il domine sur le poisson de la mer. And let them have dominion over fishes over the, of the sea. Sur les oiseaux du ciel. And over the fowl of the air. Sur le bétail, sur toute la terre. And over the cattle. And over all the earth. Et sur tout reptile qui rampe sur la terre. And over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verset. Dieu créa l'homme à son image. So God created man in his own image. Il les créa à l'image de Dieu. In the image of God created he him. Il les créa l'homme et la femme. Male and female created he them. 28. 28. Dieu les bénit. And God blessed them. Et dit, and God said, soyez fécondes. Unto them be fruitful. Multipliez-vous. And multiply. Remplissez la terre. And replenish the earth. Et la sujétissez. And subdue it. Et dominez sur le poisson de la mer. And have dominion over the fish of the sea. Sur les oiseaux du ciel. And over the fowl of the air. Et sur tous les animaux qui s'émeuvent sur la terre. And over every living thing that moveth upon the earth. Notre Dieu, nous te bénissons. Our Father bless you. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Because there's no other like you. Tous les dieux des nations sont des morceaux de bois. All the other gods are just wood. Toi, tu es le véritable Dieu. You are a real God. Tu es la lumière. You are the light. Tu es notre lumière. You are our light. Voilà pourquoi nous t'adorons. And reason why we adore voilà you. Pourquoi nous sommes venus autour de ta table. And reason why we come around your table. Pour manger les bonnes choses. For us to eat the good things. Et dans la foi, nous sommes en train de croire. And in faith we believe. Que nous avons un bon repas ce soir. That we have a good food today. Par le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Can I have our seats? Donc ce soir, this night, ce que nous allons voir qui est écrit, everything that we see that is written, ce qui est écrit là aujourd'hui, what is written here today, on voit que Dieu a créé l'homme à son image. We see that God created man in his own image. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, and when God created man in his image, à 28, on nous dit que, in 28 they say, Dieu le bénit. And God blessed them. Alors, cette chose est écrite dans la Bible. That thing is written in the word of God. Alors, le verbe bénir. The verb bless. Et dans la Bible, on nous explique ça très bien dans cette écriture ici.
And in the Bible, they explain it very well in this 28. Je veux que tu remarques déjà à partir d'aujourd'hui. I want you to know from today. Le verbe bénir. The verb blessed. Que quand on répète ça dans la Bible. That whenever they repeat it in the Bible. On n'ajoute pas toutes ces choses ici. They don't really add all these other things. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What did the Bible say? On nous dit que Dieu les a bénis. They say that God blessed them. Maintenant, ça c'est seulement un mot. That is just a word. Il y a rien dans Dieu les a bénis. There is God blessed them. Il y a rien dans ça. There is nothing in maintenant, it. Dans le verbe là. But in that verb, il y a maintenant le parole que Dieu a dit. There is words that God said. Et les paroles c'est quoi? And what are those words? Soyez fécondes. Be fruitful. Multipliez-vous. Multiply. Remplissez la terre. And replenish the earth. Et la séjustissez. And subdue it. Et dominez sur les poissons de mer. And have dominion over the fish of the sea. Donc, dominez, dominez, dominez. Dominion, dominion, dominion. Alors, le verbe être fécond. The verb be fruitful. Le verbe multipliez-vous. The verb multiply. Le verbe remplissez la terre. The verb replenish. Sont les choses maintenant qui composent les verbes qu'on appelle bénir. Those are all the verbs that compose the word bless. Alors chaque fois dans la Bible. Every time in the Bible. Quand on dit et celui-ci bénit celui-là. This one blessed this other. C'est ce qu'ils sont en train de dire. These are the things that they are saying. La bénédiction. The blessing. Quand elle vient dans ta vie. Whenever it comes in your elle life. Elle vient seulement pour faire cette chose ici. It only comes to do this thing. Elle vient pour te rendre fécond. It comes to make you fruitful. Elle vient pour causer la multiplication dans it ta vie. It comes to make multiplication elle in your life. Elle vient pour te causer que tu puisses remplir. It comes for you to replenish. Et que tu puisses assujettir. And for you to subdue. Et que tu puisses dominer. And for you to dominate. Ce sont ces cinq choses. It is those five things. Qui composent le verbe bénir. That compose the verb bless. Alors regardez maintenant. And now look. Dieu. God. A créé son homme. He created. Quand il a créé son homme. Whenever he created man. On nous dit que Dieu avait pris la poussière. The Bible say that he took a sand. Et quand il a vu, il a mis la poussière, il a formé quelque chose. And he took it and formed something. Et quand Dieu avait mis cette chose là par terre. And by the time he put it down, il n'y avait pas la vie dans la chose. There was no life in it. Alors, c'est seulement quand Dieu a béni la poussière. It is only when God blessed that. Et la poussière a commencé à respirer. That is the only time when the sun started breathing. Donc, c'est ça déjà la raison de la bénédiction sur ta tête. That is the only way of the blessing upon your head. Quand la bénédiction vient sur toi. Whenever the blessing comes upon you. Elle vient t'aider à respirer. It comes to help you to breathe. Si tu n'es pas béni. If you are not blessed. Tu ne peux pas bien respirer. You can never breathe well. Alors, plusieurs fois. So many times. Le verbe béni. The verb bless. A été détruit et abîmé surtout à l'église. It became destroyed, especially in the church. Et des fois, on dit, oh, ça, je peux être la bénédiction. Quand le pasteur dit qu'aujourd'hui je vais parler de la bénédiction. Whenever the pastor said that today I'm going to speak about blessing. Et tous les membres de l'église regardent par terre. Oh, aujourd'hui ma bonzana a vu ce bouquet. And everybody start looking down and said today our offering is going to go. C'est ça le niveau du mot béni est devenu. That is the level of the word blessed has become. Ça c'est à l'église. That is in the church. Et c'est ça dans nos églises. And that is in all mais our churches. Quand tu rentres au commencement. But when you go back to the beginning. Quand tu regardes dans la Bible. When you look in the Bible. La bénédiction d'abord. The blessing before. Ça ne vient pas pour l'argent. It doesn't come because of money. La bénédiction. The blessing. Ça ne vient pas pour les souliers. It doesn't come for shoes. La bénédiction. The blessing. Elle vient pour t'aider d'abord à respirer. It comes first to help you to breathe. Si tu n'as pas la bénédiction. If you don't have blessing, tu ne peux pas bien respirer. You can't even breathe. La bénédiction. The blessing. Dieu. God. Quand il a commencé à prêcher. By the time he started preaching. Parce que Dieu c'est un prédicateur. Because God is also a preacher. Dieu a dit que aujourd'hui je vais prêcher. By the time he said today I'm going to start preaching. Il a commencé avec la bénédiction. He started with blessings. La première chose. The first thing. Que Adam avait écouté dans ses oreilles. That Adam heard in his ears. Soyez bénis. He heard that. Première chose. First thing, ce n'est pas un prédicateur it is not a preacher qui voulait avoir les offrandes. That wanted the offering.
Dieu lui-même. It was God himself. Il a commencé son église avec la bénédiction. He started his church with a blessing. Ça veut dire quoi? What does it la mean? Bénédiction, the blessing, ce n'est pas pour les souliers. It is not for shoes. La bénédiction, c'est la chose numéro un. It is the first thing. La bénédiction, the blessing, c'est ça même l'identité de Dieu. It is also the identity quand of God. Dieu disait que when God was saying, créons l'homme à notre image, make man into our own image, qu'est-ce qu'il a fait? What did he il say? A pris la poussière. He took the sun. Maintenant, apprenant la poussière, by him taking the sun, il n'avait pas peur de dire, oh, ça c'est la poussière, qu'est-ce que je vais faire avec la poussière? Non. He was not afraid by saying, what am I going to do with sun? Il a pris la bénédiction, but he took the blessing, il l'a mis sous la poussière, and he put it in that sun. À partir de ces jours-là, and from that day, la poussière, the sun, pouvait dire bonjour à une autre poussière. It could say good morning to the other sun. La poussière pouvait avoir des bébés poussières. And those sun could have kids. C'est ça la fécondité. Amen. That is the fecundity. Et c'est dans la poussière. It is in the sun. Alors pourquoi est-ce que Dieu a pris la poussière? Why did God took sun? Il a commencé avec la poussière. He started with sun. Pour que, for, quand on va expliquer aujourd'hui la bénédiction, for us when we want to explain about blessings, ça puisse être facile pour tout le monde. For it to become so easy for la everyone. Bénédiction de Dieu, the blessing of God, est venue sur la poussière. It came to the, for the sun. Et la poussière a commencé à parler. And the sun started speaking. Donc, parce que Dieu avait béni Adam. Because God blessed Adam. Dieu n'était pas venu chez Adam. Mais Adam, 1 plus 1 égale combien? 2. Non. He didn't come to Adam with la mathematics. Bénédiction, the blessing, était l'enseignement. It was also the teaching. Directement, Adam est sorti un homme. And immediately Adam became a man. C'est combien 4 divisé par 38? Il te donne la réponse immédiatement. Immediately Adam became a mathematician. Parce qu'il était béni. Because he was blessed. La bénédiction. The blessing. C'est une force de Dieu. It is a power of God. Qui vient sur ta tête. That comes upon your head. Et tu commences à réfléchir. And you start thinking. Tu commences à bien réfléchir. And you start thinking very alors, well. Alors, si tu n'es pas béni, if you are not blessed, c'est difficile d'avoir la réponse à 3 plus 7. It is difficult for you to know mathematics. C'est pourquoi je sors déjà puis je vais rentrer. That is why I go and I come back. C'est pourquoi les sorciers, that's why even the witches, peuvent jeter la malédiction sur un enfant. They can put a bad luck upon et somebody. Et quand tu demandes 2 plus 2 égale combien, l'enfant n'arrive pas à donner la réponse. And you ask the child 2 plus 2 is how many, and la he will never give you an answer. La n'est pas intelligent. Amen. That curse, it is not for him not to be intelligent. La malédiction, the curse, n'est pas intelligent. It is not intelligent. La bénédiction, the blessing, est intelligent. It is intelligent. Quand tu es béni, whenever you are blessed, tu deviens intelligent. You become so intelligent. Alors, si Dieu a commencé son église, if God started his church, avec la bénédiction, with the blessing, qu'est-ce que vous pensez que nous devons commencer nos églises avec? What do you think we will start our churches with? Vous êtes en train de suivre? Are you following? Quand Dieu, when God est venu, came, parler à un prophète, to speak to a prophet, Noé, Noah, il n'est pas venu avec un arrêt de péché. He didn't come to him and say stop your sin. No. No. Il est venu avec la bénédiction. He came with a blessing. Quand Dieu, when God a pris sa Bible, when he took his Bible, pour venir prêcher Abraham, for him to come and preach to Abraham, il est venu avec la bénédiction. He came with blessing. Pour appeler Abraham, for him to call Abraham, sortir de son village, to leave his town, et le suivre lui, and follow him. Dieu lui a dit, and God told him, sort, come out, je te bénis, and I'm going to bless you, je ferai ton nom grand, and I'm going to make your name big, je vais te rendre une multitude, and I'm going to make you a multitude. À quelqu'un, and he was telling somebody, qui n'avait pas même un bébé, someone who didn't have a child, il ne pouvait pas avoir un bébé, he couldn't have a child, et sa femme pouvait pas avoir un bébé, and his wife was also barren. Dieu n'a pas tremblé. God didn't tremble. Dieu n'a pas fait sortir la sueur. God didn't have even non. sweat. Dieu, God, quand il a commencé l'église avec Abraham, by the time he started church with Abraham, premier jour de l'église, the first day of the church, je vais te bénir. He started with, I will bless. Je vais rendre ton nom grand. I'm gonna make your name big. Et Abraham a dit, cet homme-là ne sait pas qui je suis. And Abraham laughed and said, this man doesn't know je who I am. Je suis déjà dans les 74, 77. I'm about 75. Je n'ai pas de bébé. I don't have a et child. Et toi, tu dis que tu vas me rendre 1000. And you say you're gonna make me a multitude. Partons, voyons ce que tu vas faire. And say, let us go and I will et see what Dieu you will était do. Là, regardez.
Je peux te donner 1000 enfants. God look and say can give you 1000. Dieu peut te donner 1000 enfants. God can give you 1000 kids. Maintenant. Yes. And now. Quand Dieu va te donner 1000 enfants. When God want to give you 1000 kids. La bénédiction. The blessing. Comment tu vas nourrir ces 1000 enfants? How will you feed those 1000 kids? C'est maintenant dans la même bénédiction. It is in the same blessing. Qu'il y a la nourriture. That is where the food is. Parce que. Because Dieu ne peut pas venir dire à Abraham, God could not say to Abraham que je vais te donner 1000 enfants. That I will give you 1000 kids. Et quand Abraham a les enfants, and when Abraham got maintenant the kids, les enfants commencent à chercher à manger. And now the kids don't have food. Et ils vont mourir de faim. They will die of hunger. C'est pourquoi dans la bénédiction, reason why in the blessing, quand on parle de la multiplication, whenever they talk about on multiplication, de la they speak about fecundity. Ça veut dire, it means la terre où Abraham va habiter. The earth where Abraham will live, ça va commencer à produire. It will start production. Pendant que les autres, whenever others, ils essaient de semer et ça marche pas. They will try to put seed dans la maison d'Abraham. In the house of Abraham. Quand tu sèmes, whenever you put a seed, and you always have 1000, 40, 30, 40, 50, 60. Every time. C'est ça la bénédiction. That is the blessing. Et c'est ça la bénédiction d'Abraham. And that is the blessing of Abraham. Quand Dieu était en train de dire à Abraham, when God was telling Abraham que tu vas avoir 1000 enfants, that you're going to have 1000 kids. Imagine-toi que imagine maman a un enfant. Mama has one child. L'enfant meurt de la malaria. And the child died of malaria. La maman a un enfant. And the mother has l'enfant another. L'enfant died de cancer. It died of maman cancer. Maman a un enfant. Get l'enfant another. Die, meurt de quelque chose. And die of another. Comment sickness. Est-ce que les enfants allaient arriver nus? How could the kids reach to the number of 1000? Impossible. Mais là, dans la bénédiction, and in the blessing, il y a une force pour guérir de toute maladie. There is a power to heal every sickness. Pour que les enfants là, for those kids, puissent être nombreux, for them to become so many, il faut que they need aucun des enfants puisse mourir. It is for those kids not even to die, none alors, of them. Quand Abraham avait regardé les étoiles, and by the time Abraham looked at the stars, un nombre des étoiles qu'il pouvait pas compter, the numbers of stars that he could not even count, pour que les enfants arrivent à ce niveau-là, for the kids to reach that number, la mort doit être loin. Death should be far from them. La guérison, and the healing, est dans la bénédiction. Amen. It is in blessings. Alors, quand Dieu disait à Abraham, je vais te bénir, when God was telling Abraham, I'm gonna bless you, il était en train de lui dire que je vais te guérir. He was also telling that I'm gonna heal you. La bénédiction, the blessing, sur ta tête pour te guérir. Amen. It is upon you, amen, to heal you. Quand un prophète te dit que sois béni, when the prophet said be blessed, il est en train de te guérir aussi. He's also healing you. Vous êtes en train de suivre? Are you following? Alors, tous ces enfants-là, all those kids, devaient avoir un prédicateur. They're supposed to have a preacher. Tous ces enfants-là, all those kids, devaient avoir leur maison. They were supposed to have their houses. Je vous dis quelque chose. And I'm gonna tell you something. Selon la Bible, according to the Bible, la terre, the earth, est divisée selon le nombre des enfants de Jacob. It is divided according to the numbers of children of Jacob. Quand Jacob a un enfant, when Jacob had a child, il prend la maison du voisin, and he take a house of the neighbor. Le voisin le quitte, and the neighbor will go quand further. Quand ils ont un autre enfant, when they have another child, le voisin doit reculer. The neighbor has to go further. Le voisin de tous les côtés doivent reculer. And all their neighbors have to go far. Jusqu'à ce qu'ils vont tomber dans la mer. Until they go and fall in the sea. Toute la terre, the whole earth, appartient à Abraham. It's for Abraham. Alors, si tu es enfant d'Abraham, if you are a child of Abraham, la terre t'appartient aussi. This earth belongs to you. C'est ça le travail de la bénédiction. This is the work of the blessing. Alors, la bénédiction, the blessing, quand Abraham, when Abraham était en train de croire à Dieu, when he was believing in God, pour lui donner un enfant, for him to give him a child, pour lui donner beaucoup d'enfants, for him to give him so many kids, il était automatiquement, he was automatically, en train de croire, believing que Dieu, that God, va lui donner un chef. He's gonna give him a king upon all his kids. Vous êtes en train de suivre? Are you following? Ce n'est pas la peine. And it was not for him, tu as 1000 enfants, that you have so many kids, et ils sont pas intelligents, and they are not intelligent. Tu as 1000 enfants, you have 1000 kids, quand Goliath va venir, but when Goliath comes,
sons. Il va taper des mille enfants. He's going to beat all your thousand kids. Il était en train de croire. But he was believing. Je vais avoir un enfant. That I'm going to have one. Et je vais avoir un enfant qui va être fort. And I'm going to have one that will be so strong. Et l'enfant que je vais avoir. And the one that I will have. Quand l'ennemi va s'élever. Whenever the enemy comes. Mon enfant. My child. Va le taper. He's going to beat him. Ça, c'est la bénédiction aussi. That is also the blessing. La bénédiction vient sur toi. The blessing comes upon you. Pour te donner une force. To give you power. Pour taper tous tes ennemis. For you to defeat all your enemies. Et c'est la puissance de la bénédiction. And that is the power of the blessing. C'est pourquoi j'ai commencé par dire. And that's why I started by saying. La bénédiction, ce n'est pas les souliers. The blessing is not shoes. La bénédiction. The blessing. C'est une puissance de Dieu. It is the power of God. Qui vient sur ta tête. That comes upon your head. Pour t'élever. For it to lift you up. Tu es élevé. And whenever you are lifted. Les souliers vont fuir et te suivre. Amen. Even shoes will come and follow you. À la position. Whenever you have your position. Everything will obey you. C'est pourquoi reason why les politiciens, the politicians, ne cherchent pas les souliers. They don't look for shoes. Ils cherchent les positions. They looking for positions. Because they quand know. Quand je deviens le gouverneur du Katanga. Whenever I become the governor of Katanga. J'ai tous les souliers du monde. I have all shoes quand of this world. Quand je deviens le président du Congo. Whenever I become the president of Congo. I control diamonds. Je contrôle les bijoux. I control everything. I control everything. La position. Position. Maintenant, la bénédiction. And now the blessing. Elle vient sur ta tête. Comes upon you. Pour te donner la bénédiction. For it to give you blessing. Et c'est ça la position de Dieu dans ta vie. And that is the position of God in your life. La malédiction maintenant. The curse now. Était une chose qui était venue. It was something that came. Pour voler ta position. To come and steal your position. Tu as une position. You have a position. Et ta position. And your position. Elle est fixée par la bénédiction de Dieu. It is fixed by the blessings of God. J'ai commencé par dire quoi? I started by saying. Que Dieu avait pris la poussière. That God took the sand. Pour créer l'homme. For him to create man. Maintenant. And now. Comme on est là. As we are here, on ne peut plus aller jouer dans la poussière. We can never go back and play in the sand. Dieu, God, ne peut pas jouer dans la poussière. He can never play in the sand. Maintenant, now, parce que Dieu ne peut pas jouer dans la poussière. Because God can never play in the sand. Il a mis la bénédiction. He put the blessing. Pour que la poussière puisse monter. So that the sand will be lifted. Et la position de la poussière. And the position of the sand. À cause de la bénédiction. Because of the blessing. Elle devient la même position avec Dieu. It becomes the same position with God. Là, and that power. Ça ne vient pas de la poussière. It does not come from the sand. La force vient de la bénédiction. But that power comes from the blessing. La bénédiction. The blessing. Elle te fait à un niveau. It makes you at a level. Où tu peux parler avec Dieu. That you can speak to God. Où tu peux communiquer avec Dieu. That you can communicate with God. C'est pourquoi vous allez voir. That's why you will see. Que Dieu descendait dans le jardin. That God was descending in the garden. Pour parler avec l'homme. To speak to man. Et l'autre fois on a dit que Dieu visitait l'homme. The other time we said that God was visiting man. Quand il visitait l'homme. By the time he was visiting the man. Il ne visitait pas en laissant le ciel dire que ok les anges restez moi je peux voir la poussière. He was not saying to the angels remain I'm going to see the sun. Un ami. He was coming to see c'est his friend. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. And that is the manner that God created man. Il lui a créé à son image. He created him to his parce own image. Il a créé à son image. Because he created in his image. Dieu pouvait descendre dans le jardin. He could descend to the garden. Avoir une conversation avec l'homme. And have a conversation with a man. Et la conversation était possible comment? And how did the conversation become possible? À cause de la bénédiction. Because of the blessings. Si tu n'es pas béni. If you are not blessed, ça devient difficile. It becomes so difficult. Même de parler avec Dieu. Even to speak to God. Et vous allez voir. And you will see. Quand la malédiction était en toi. Whenever the curse came. Quand Eve avait mangé le fruit. By the time Eve ate the fruit. Et c'est la malédiction. And that the time the curse. La mort. The death. Le noir est entré. Even the darkness came. Dieu est descendu. And God came down. Pour parler encore avec Adam. To speak to Adam. Adam ne pouvait pas rester là pour parler avec Dieu. And Adam could not resist to speak to God. Parce que la bénédiction était partie. Because the blessing already fled. Il est parti se cacher. And the blessing fled and hid. Dieu maintenant devait dire. And God could say. Adam. Adam. Tu es où?
Where are you? La position était partie. And the position was gone. Qu'est-ce qui avait volé la position? What stole the position? La malédiction. It was the curse. La malédiction. The curse. Quand tu touches à la malédiction. Whenever you touch to a curse. Tu commences à réfléchir mauvais. And you start thinking so bad. La première chose que tu penses mauvais. And the first thing that you do, the wrong thing. Tu n'as pas de valeur. That you don't have value. Que tu penses déjà toi-même. Immediately yourself. Avant que Dieu puisse venir dire à Adam. Before God could come and tell que Adam. Que tu as péché ceci cela. That you made a sin. Adam lui-même savait ça. Adam immediately Dieu knew. Était étonné de que, ah, and God was so surprised. Qui t'a dit ces choses? Who told you that? Dans la malédiction. In the curse. Il y a une mauvaise prédication. There is always a bad preaching. Cette mauvaise prédication. And that bad preaching. Elle t'enlève de la présence de Dieu. It keeps you out of the blessing of Dieu God. Dieu n'a jamais dit à Adam que tu es nul. God didn't tell Adam that you are wicked. A appris ces choses-là dans la malédiction. Himself knew that in the curse. Il pouvait se mettre devant Dieu. Oh, Dieu, tu es venu me voir. Il était nu devant Dieu seulement. He could go before God and say, God, I am naked just il before God himself. Il pouvait se mettre devant Dieu. He could go before God. Et dire, ah, Dieu, ah, t'as vu les fruits là que tu avais dit qu'on mange pas. And he said that the fruit that you say we shouldn't eat. On a mangé. We ate it. Pour voir la correction de Dieu lui-même. For him to see the correction of God. Parce que Adam avait fui devant Dieu. Because Adam ran away from God. C'était maintenant impossible. It was impossible. Pour que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. For God to do something avec for him. Avec toute la puissance de Dieu. With all the power of God. Dieu pouvait rien faire pour Adam. God could do nothing for Adam. Vous êtes allés les suivre. Are you following? Cette chose-là. And that thing. Ça a commencé dans les jardins. It started in the garden. C'est aujourd'hui jusque là avec nous. And it's still there until today with us. Quand tu vois quelqu'un, whenever you see somebody, refuser de se présenter devant Dieu, refuse to go before God. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. It is not something that comes from God. Ce sont les choses que nous-mêmes nous inventons dans nos cœurs, it dans nos têtes. It is things that we put ourselves into our IQ. Quelqu'un vient devant Dieu. That somebody comes before God. Entend les dire quelque chose comme, oh Dieu. Je ne suis pas venu demander aujourd'hui. And you say, God, I didn't come to ask today. Que, ah, je suis venu seulement. I just came because. Non, c'est parce que toi-même tu vois pas que tu as de valeur. Because you don't see your value. Pourquoi tu dis ces choses-là? That's why you're speaking those things. Quand tu dis ces choses-là, whenever you say those things, tu me sens bien. And you feel good. Il n'y a pas. Dieu n'est pas dans les sentiments. God is not into même sentiments. Si tu sens bien quand tu dis ces choses-là. Even when you feel good by saying those Dieu things. Dieu n'est pas là. God is not there. Dieu. God. Dans la Bible, il dit que. In the Bible, he says. Approchez-vous de mon trône avec courage. Come before thee with courage. Tu es en train d'entrer Branda. And you are speaking in tongues. Devant Dieu, ça c'est génial. And we were coming before God speaking in tongues. It is nothing. Cette invitation. And that invitation. Toute la terre. It is for the whole earth. Approchez devant Dieu. Come before God. Avec courage. With courage. Et on n'arrive pas à faire. And we don't even do it. Parce que nos têtes. Because our head. Nos pensées. Our minds. Sont encore connectées à la malédiction. It is still connected to the curse. La bénédiction de Dieu. The blessings of God. Vient pour te faire bien réfléchir. Comes to make you think well. Quand tu réfléchis bien, and whenever you think very well, Dieu devient ton ami. God becomes your friend. Dieu, God, c'est ton ami. Is your friend. Dieu, God, c'est ton ami. Is your friend. Cette histoire que oh Dieu il est en haut, il est là-bas. Non, that non, God non. Is in heaven. Ce sont des prédications. Those are just preaching. Qui viennent de la malédiction. That comes from curse. La vérité. The truth. Dieu, God, s'incline. He needs pour te donner à manger. For him to give you food. Même maintenant tu es en train de le flatter. Even though you are lying to him. Il sait que tu es en train de flatter. And he knows that you are just there. He comes pour te donner à manger. For him to give you food. C'est ça le travail que Jésus-Christ est venu faire. That is the work that Jesus Christ came to do. Regardez. And look. Avant la naissance de Jésus. Before the born of Jesus Christ. L'ange. The angel. Devait venir. He was supposed to come et dire à Marie, and tell Mary, Marie, tu es bénie. Mary, you are blessed. Et cet verbe-là, and that verb, elle a causé quelque chose dans le ventre de Marie. And that verb caused something into the womb of Mary. C'est la bénédiction.
That is the blessing. Qui a causé Marie à avoir un bébé. That is the word that caused Mary to have a child. Bébé qui est sorti. And the child that came out. La Bible nous dit. The Bible says. Qu'il est venu. That he came. Pour bénir le peuple. To bless the world. La bénédiction. The blessing. Qui était sur Adam. That was upon Adam. La bénédiction qui était sur Abraham. The one that was upon Abraham. Une bénédiction. Une bénédiction. A blessing. Qui était dans la maison d'Israël. That was in the house of Israel. Et ils sont partis ici, partis là-bas, partis comme ça, comme ça. They went so and so side. C'est la bénédiction. It's the blessing. Qui est venu sur Jésus. That came upon Jesus. Et Jésus est venu sur la terre pour nous bénir. And he came upon the earth to bless us. Cette chose-là. And that thing. Qui était difficile. That was so difficult. Depuis que Adam était tombé. Since Adam fell from grace. Jésus-Christ est venu sur cette terre. And Jesus came upon this earth. Il a marché dans la poussière de Jérusalem. And he walked on the sand of Jerusalem. Pour amener la bénédiction sur ta tête. To bring blessings upon your head. Vous êtes en train de suivre. Are you following? Ce qui était appelé la bénédiction d'Abraham. What was called the blessing of Abraham? Est appelé aujourd'hui la bénédiction de Jésus. Amen. It is called today the blessing of Et Jesus. C'est une bénédiction. And it is a blessing. Que Jésus-Christ avait enfoncé sur ta tête. And it is a blessing that Jesus wants to put upon your head. Tout ce que Dieu peut faire sur pour toi. Everything that God can do for you. Il fait ça par le canal de la bénédiction. He does it through the way of the blessing. Chaque fois, every time, quand Dieu vient te voir, whenever he sees, il commence la conversation avec la bénédiction. He starts a word with a blessing. Vous êtes en train de suivre. You following? Pourquoi ça? Why? Parce que. Because si tu n'es pas béni, if you are not blessed, tu ne peux pas avoir une bonne conversation avec Dieu. You cannot have a good conversation with Parce God. Dans ta tête, because in your head, les choses sont en train de tourner différemment. Things are just turning in a different way. Imaginez-vous que. Imagine. Dieu venait chez Abraham. God was coming to Abraham avec lui comme un ami. To speak to him as a friend. Dieu God voulait parler à Abraham. Wanted to speak to Abraham. Même de la naissance de Jésus. Even for the birth of Jesus. Mais Abraham était en train de stopper Dieu. But Abraham was stopping God. Il dit, oh regarde, j'ai pas d'enfant. Je vais mourir bientôt. J'ai pas d'enfant. Each time we speak about I don't have a child, I'm going to die soon. Pendant que Dieu était en train de venir chez lui avec la révélation de Jésus. As God was coming to him with the revelation of Jesus. Vous êtes en train de suivre. Are you following? C'est pourquoi. Reason why? Dieu vient avec la bénédiction. God comes with a blessing. Quand tu es béni. If when you are blessed. C'est quand tu peux avoir une bonne conversation avec Dieu. That is the time that you want to have a good conversation with pourquoi? God. Why? Parce que Dieu va essayer de te parler de. Parce que Dieu, des fois quand il vient. Whenever God comes. Il vient pour te parler de fleurs. He comes to speak about flowers. Des couleurs. But colors. Quel cheveux, quelle coupe de cheveux tu aimes? What type of hair do you like? Les choses que nous pensons qui n'ont pas de sens. Things that you think they don't make sense. Et toi tu vas être là, oh Dieu ceci, Dieu cela, mais Dieu a envie de parler de fleurs. And you want to tell God this and that, but God wants to speak about flowers. Vous pensez qu'est-ce que, pourquoi est-ce que Dieu a créé toutes ces fleurs là? Do you think why did God create all those flowers? Parce que ce sont les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Because those are things that are in Et his heart. Il aime parler de ces choses-là. And he likes speaking about those things. Dans la Bible. In the Bible. Regardez Salomon. Look at Solomon. Quand il avait tout l'argent qu'il avait. He had all the money in this world. Quand il avait toute la bénédiction qu'il avait. He had all the blessings. Dans les livres de Salomon. In the book of Solomon. Au lieu de parler de oh la prophétie de ceci, la prophétie de Instead ceci, of speaking about different prophecies. Il a commencé de parler de fleurs. He started about speaking about flowers, love, and other things. C'est la révélation qu'il a eu. That is the revelation that Pourquoi? He had. Why? Parce qu'il était en paix. Because he had peace. Vous êtes en train de suivre. Are you following? Et cette paix-là, and that peace, c'est quelque chose qui est commandé par Dieu. That peace is only commanded by God. C'est nous à l'église. It is we in the church. On respecte pas la bénédiction. We don't respect the blessing. En Israël. In Israel. Même aujourd'hui. Even today. Bien qu'ils sont pas en bonne relation avec Dieu. Even though they are not in a good relationship with God. Ils commencent tout avec la bénédiction. They start all with the blessing. C'est pourquoi. Reason why. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces pays, mais les Juifs sont les riches dans ces pays. Amen. I don't want to know in this country, but I know the Jewish are the richest in this country. Dans tous les pays du monde. Oh, go everywhere in this
world. Les Juifs sont les riches. Jewish are so rich. Pourquoi? Why? Ils commencent tout avec la bénédiction d'Abraham. They start all with the blessings avant of Abraham. De commencer la conversation. Before starting with ils the conversation. Avec la bénédiction d'Abraham. They start with the blessings of Abraham. Parce qu'on les a appris chez eux. Because they taught them at home. Quand Dieu vient chez toi. That when God comes to you. Il vient avec une bénédiction. He comes with a blessing. Chaque fois. Every time. C'est nous. It is we, avec nos enseignements, with our teachings, quand Dieu veut venir, je te dis, that when God wants to come, ah, j'ai beaucoup de péchés, say, I have Dieu so va many me sins. Non, 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 non. Les péchés, sin, c'est nous. It is we qui troublent nos têtes. That we trouble our heads. Les péchés, sin, ne troublent pas la tête de Dieu. Doesn't trouble the head of quand God. Les péchés, when the sin, était quelque chose. If it was something, Dieu a pris son fils. God took his only son. Son un fils. His one child. L'unique fils. The unique child. Le bien-aimé fils. The beloved one. Il l'a pris, il l'a donné. And he took him and gave him. Le feu l'a brûlé. And fire burned him. Pourquoi? Why? Parce que toi, tu as de la valeur. Because you have value. Dieu pouvait prendre les anges et les brûler. Non. He could take angels and burn them. Les anges ne peuvent pas te racheter toi. But angels will never bought you. À cause de la valeur que tu as. Because of the value that you have. C'est pas le sang de Jésus. It is only the blood of Jesus. La conversation du péché. And now the conversation of sin. Avec Dieu. With God. C'est déjà réglé. It is already settled. Aujourd'hui. And today. Tu peux entrer. You can go. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Aujourd'hui. Today. La maison. The house qui était fermé, that was closed, où seulement les prêtres devaient entrer une where fois only par an. The priest could go once a year. La puissance de la bénédiction, the power of the blessing, qui est Jésus Christ, that is Christ, est venu enlever ces choses là. It came and took it away, pour que nous tous nous puissions. So that we could all go through. La puissance de la bénédiction, the power of the blessing, est une force. And it is a power. Quand elle entre en toi, whenever it goes in you, même quand tu veux pécher, even when you want to sin, la bénédiction devient une force. The blessings become a power. Stopper de pécher. For it to stop you to make a sin. Amen. Amen. Les gens disent. People say. Et c'est faux. And it is a lie. Oh, quand tu es béni. That when you are blessed. Oh, tu vas fuir l'église. You're gonna run away from church. Tout celui qui devient béni et fuit l'église, il n'était même pas à l'église. Those who run away because of the blessing, they were not in church. Donc, si Dieu te donne $1,000, when God gives $1,000, tu vas nous fuir, tu vas partir. You're gonna run away and leave. Avec $1,000, tu vas même pas arriver à Kasumbalesa. With $1,000, you're gonna reach Kasumbalesa. Et après, tu vas rentrer encore ici, prier pour moi encore. And you're gonna come back and ask for more prayers. Dieu, God, a beaucoup d'argent. He has so much money. Et il n'a jamais péché. And he never sinned. Vous allez suivre. Are you following? Si il y a quelqu'un qui est riche. If there is somebody who is so rich, c'est Dieu lui-même. It is God himself. Il est tellement riche. He is so rich. Dans son village. In his village. Les routes sont faites en or. All the roads are made of gold. Si on te donne seulement un carreau ici de l'or. If they could give you only one piece. Tu sais combien d'argent. You know how much money you have. Là de l'or. Mais just one square meter. Lui, il a les avenues. But he has avenues. En or. Made in gold. Une porte. A door, porte, a door, pièces de diamant. It's called pieces of diamond. Pas beaucoup de diamants, ils ont mis ensemble. Non, pièces. It is a piece, a masterpiece. Pièces, moko ya diamant. A masterpiece of diamond. De diamant. A masterpiece. Ils ont mis ça comme porte. And they put it as a door. Et avec tout l'argent que Dieu a. And with all the money that God has. Jusqu'aujourd'hui, il est le saint. Il est le saint. He is the holy. Il est le saint. Holy. Et toi. And tu veux avoir $1,000,000? You can only have $1,000,000. Tu fuis l'église. And you are running away from church. Ça veut dire que tu n'as jamais entré l'église. Meaning you never entered church. Alors, quand on te dit que oh moi je vais pas avoir beaucoup d'argent parce que je vais pécher. And you say I don't want to have a lot of money so that I may not sin. L'argent, money, c'est ça même l'évangile. That is the evangel. Pour que je vienne ici vous prêcher. For me to come here and preach. Je ne suis pas parti à l'aéroport. J'ai dit Brando, Brenda, Rama, I didn't go to the airport and speak in tongues. No. Never. Si j'avais essayé. If I could try, m'arrêter. They were going to arrest me. Et le prophète allait dire que oh, pasteur, on avait été dans la prison. And pastor was going to say the pastor is already in prison. La bénédiction. The blessing. C'est la force de Dieu. It is the power of God.
partager l'évangile. For it to share the word. Dans la bénédiction. In the blessing. C'est là où il y a l'évangile. That is where the word is. Dieu God a prêché l'évangile à Abraham. He preaches to Abraham. En disant, by saying, par toi, by you, toute la terre sera bénie. The whole earth shall be blessed. On appelle ça la prédication de l'évangile. They call it the preaching of the word. Il y a la bénédiction dans there la is parole blessings in the word of God. Il y a la bénédiction there dans is la parole blessings de Dieu. In the word of God. Il y a la bénédiction there is blessings dans la parole de in Dieu. The word of God. Et quand tu ne comprends pas ça, and when you don't understand, imaginez-vous, imagine, Dieu a envoyé Moïse. God sent Moses pour faire sortir les enfants d'Israël. To take the children of Israel from Egypt. Et Dieu a fait beaucoup de miracles pour eux. And God made so many miracles for them. Ils sont arrivés à la mer Rouge. And they went to the Red Sea. Quand Pharaon maintenant les suivait. And by the time Pharaoh was running after them. Ils nous ont dit. And they said. Moïse. Moses. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte? Do you think there were no cemetery in Egypt? Que tu nous as fait sortir pour qu'on meure ici dans le désert. That you took us away so that we die in the desert. Dieu God a ouvert la mer Rouge. And he opened the Red Sea. Ils sont surpassés. They passed through. Trois pas, après trois pas, trois jours. Just by 3 days. Ils n'avaient pas de l'eau. They didn't have water. Et ils ont dit Moïse. And they said to Moses. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte? Do you think we didn't have cemetery in Egypt for us to die here of hunger? And God gave them water. Après trois jours, after 3 days, ils ont dit que, ah, il y a pas à manger. They said there is no food. C'était bien en Égypte, on mangeait. It was so good in Egypt, we were eating. Dieu les a donné à manger. And God gave them food. Après trois jours, after 3 days, ils ont dit que, ah, les histoires qu'on mange, c'est pas très bon. And the same thing that we are eating are not good. En Égypte, on mangeait la viande. We don't have meat in Egypt, we're eating Dieu meat. Les a donné la viande. And God gave them meat. Ils ont fait ça 10 fois. And they did that 10 times. 10 fois, ils ont tenté Dieu. And 10 times they tempted God. Pourquoi ils ont tenté Dieu comme ça? Why did they tempt God in that manner? Après, dit que Dieu ne nous aime pas. They were saying that God doesn't Dieu love us. Veut nous tuer dans le désert. And God wants to kill us in the desert. Pourquoi ils réfléchissaient comme ça? Why did they think in that manner? Leur tête. Their head n'était pas connecté à la bénédiction. Was not connected to c'est the blessing. Pourquoi je vous ai dit. That's why I told la you. La bénédiction. The blessing. Elle vient pour te faire réfléchir. Comes to make you think. Et tu réfléchis. And you think. Au même niveau que Dieu. In the same level que God. Quand tu regardes Dieu. And when you look at God. Tu dis que Dieu vient pour me faire du bien. And you say God is coming to do me good. Everything. Quand Dieu vient chez toi, whenever God comes to you, il n'est pas pour compter tes péchés. He doesn't come to count your sins. No. Dieu n'a pas besoin de te regarder trois fois pour savoir que tu as péché. He doesn't come non. And look at you three times to know. Quand Dieu vient chez toi, whenever he comes, il vient chaque jour pour te réparer. He comes every day just to look at you. On appelle l'amour de Dieu. And that is the love of God. C'est seulement quand. It is only when ta porte à Dieu, you open your door to God Dieu va entrer en toi, and God will enter through you les mauvaises choses là vont fuir. And all the ugly things will flee. C'est impossible. It is impossible que toi, tu puisses te délivrer toi-même. For you to deliver yourself. Impossible. Impossible. Tu peux dire, oh, moi, je pars, je reste chez nous à la maison. You can say, I go and I remain home. Et puis, je vais devenir saint. And I'm going to become holy. Et après, je vais venir à l'église. And then I'll come back to church. Impossible. It is impossible. Si cela était possible, if that was impossible, on allait être tous être des saints aujourd'hui. We were all supposed to be holy. Oh Dieu, God vient comes pour marcher avec toi. To walk with you. Quand, when, si je suis ici, if I am there, j'ai un plan, and I have a plan, pour aller voler à la banque, to go and steal to the bank. Quand je tourne comme ça, j'ai pas pour. Whenever I turn like this, is for me to go and steal. Le Saint-Esprit va me dire, and the Holy Ghost will tell me, voler c'est pas bien. Stealing is not voler, good. C'est pas bien. Stealing is voler, not good. C'est pas bien. Stealing is not good. J'arrive, je vole à la banque. And I go there and I steal. Quand je commence à repartir, whenever I go back, dit, ah, vraiment, tu as volé. And the Spirit ah, of God says, yeah, you volé. Steal, you stole. Il n'y a pas un moment où l'Esprit parle de que hier, Moïse, Bikedo, ça va comme non. There is no time the Spirit will say, go and steal. L'Esprit te dit, voler, c'est pas bien. The Spirit will tell you no. Quand tu rentres, l'Esprit dit, ah, tu as volé, c'est whenever pas bien. Whenever you go back, the Spirit will tell you it's not c'est good to steal. That is God. C'est ça la voix de Dieu. That is the way maintenant, of God. C'est nous. It is for us. Tu veux donc un stop à cette voix. We have to put a stop to that way. Dieu. God
vient avec la bénédiction. He comes with a blessing. La bénédiction. The blessing. C'est la force de Dieu. It is the power of God. Pour te mettre à la position de Dieu. To make you in the position la of God. La bénédiction vient dans ta vie. The blessings comes in your pour life. Pour réparer toutes les choses. So come and repair elle everything. Vient te réparer complètement. It comes and repair la everything. La bénédiction. The blessings. Elle a la lumière. It has a light. Elle vient sur toi. It comes elle upon apporte you. La lumière dans ta vie. And bring light et upon your life. Commence à bien voir. For you to see well. À cause de la bénédiction. Because of the blessing. C'est pourquoi vous allez voir. That's why you will see. Que tous les sorciers. All the witches. Qui étaient là à Babylone au temps de Daniel. Those who were there in Babylon by the time of Daniel. Ils ne pouvaient pas avoir la révélation. They couldn't have revelation. Pour donner au roi. To give to the king. Et Daniel. And Daniel. Parce qu'il était connecté au ciel. Because he was connected to the heaven. Il pouvait donner la réponse que le roi cherchait. He could give the answer that the king wanted. Même chose. Same apply. Dans la vie de Joseph. In the life of Joseph. Pendant que tous les gens. By the time everyone cherchait quelle bonne réponse donner à Pharaon. What is a good answer to give to Pharaoh? La puissance de la bénédiction. The power of the blessing. A donné l'intelligence à Joseph. It gave intelligence to Joseph. Pour donner l'économie. To give the economy. Comment réfléchir avec l'économie de Dieu? How to think about the economy of God? Et cette chose-là, and that thing, personne ne pouvait avoir ça sur la terre. Nobody could have it upon the earth. La bénédiction, the blessing, elle ouvre le ciel. Opens the heaven. Que ton économie, système économique de ta tête. That the system of economy. Becomes the system of economy of heaven. Les gens sont en train d'échouer. That when people are failing, toi, tu peux percer. You can go through. Voilà pourquoi la bénédiction vient sur ta tête. That's why the blessings comes upon alors, your head. Quand tu marches avec cette bénédiction là, whenever you walk with that blessing, maintenant, now, les souliers peuvent venir. The shoes can come. Donc les souliers, shoes, ce n'est pas bénédiction soulier. It is not true blessing. Non, non. No. La bénédiction. The blessing. C'est la position. It is a position. Dieu veut te lever. God wants you to lift you. Dieu veut bénir ta tête. God wants to bless your head. Que tu commences à réfléchir. For you to start thinking. 10 fois plus que tous tes ennemis. 10 times more than your enemy. Vous vous rappelez de l'intelligence de Daniel? Do you remember how Daniel was so intelligent? Quand Daniel était à Babylone. By the time Daniel was in Babylon. Il était 10 fois. He was 10 times. Plus intelligent que tous ses amis et ses ennemis. More intelligent than his friends and his enemies. La Bible nous dit ceci. And the Bible says. Jésus-Christ est mort à la croix. Jesus died on the cross. Pour que la bénédiction d'Abraham. So that the blessings of Abraham. Puisse être pour nous. Became ours. Amen. Amen. Aujourd'hui, today, c'est toi la postérité d'Abraham. You are from the prosperity of Abraham, the descendant of Abraham. C'est toi la postérité d'Abraham. Today you are a descendant of Abraham. Aujourd'hui, today, c'est toi l'enfant d'Abraham. You are a child of Abraham. Aujourd'hui, today, c'est toi qui es béni. Béni et béni. Today you are the one that is blessed and blessed. Amen. Amen. C'est aujourd'hui. It is today. Et la puissance de la bénédiction. And the power of blessing. Quand elle vient sur toi. Whenever it comes upon elle you. Vient changer. It comes to change. Toute ta maison. All your house. Elle vient changer. It comes to change. Tout ton environnement. All your environment. Et tout autour de toi. And all around you. Ça devient comme le jardin de Dieu. It becomes like a garden of heaven. La bénédiction. The blessings. Elle cause tes ennemis de tomber. It makes your enemies to fall. Quand Satan vient pour te maudire. Whenever Satan comes to curse you. La bénédiction. The blessings. Elle devient une clôture de défense. It becomes a wall of defense. La malédiction ne peut plus entrer. And curse can never enter. Pourquoi? Why? Parce que tu es béni par Dieu. Because you are blessed by God. Alors, quand Dieu a créé Adam et Eve. By the time God created Adam and Eve. Il savait. He knew. Que Satan était déjà dans ce monde. That Satan was already in this alors, world. Dieu n'est pas descendu. God didn't come. Pour tenir à Adam et Eve à la main chaque jour. And hold Adam and Eve by the hands and walk around. Il a pris la bénédiction. He took the blessing. Il a mis sur eux. And put upon them. La bénédiction. Because the blessing. Est un système automatique. It is an automatic qui system. Qui tape Satan chaque jour. That always beats Satan. Chaque jour.
everything. C'est pourquoi Jésus-Christ, the reason why Jesus est venu pour nous bénir, came to bless us. La bénédiction, the blessing, elle chasse la malédiction, always chase away the curse. Et cela c'est quand chaque jour. And that is every single la day. La puissance de la bénédiction, the power of the blessing, elle ne peut pas être même comparée à la malédiction. Can never be compared to the curse. Impossible. It is impossible. Depuis que Satan, since Satan a commencé à faire ses armes, since he started by making all his arms, depuis qu'il a commencé à faire ses couteaux, since he started by making knives, il n'a jamais été en mesure, he was never able, de venir avec un couteau, to come with a knife, un arme, with an arm, qui peut détruire la bénédiction, that could destroy the blessing, depuis qu'il a commencé, since he started. C'est pourquoi la Bible nous dit, reason why the Bible says, toute arme forgée contre toi, all weapon formed against you will be with no power. Parce que c'est la bénédiction, because it is the blessing, qui est sur ta tête, that is upon you. C'est la bénédiction, it is the blessing, qui te fait réfléchir, that makes you c'est to la think, bénédiction, because the blessing, qui te fait respirer, makes you to breathe. C'est la bénédiction, it is the blessing, qui te fait vivre, that makes you to live. Alors, now, ton travail, your work, ce n'est pas de rejeter la bénédiction. It is not for you to throw la away the blessing. Bénédiction de Dieu, the blessings of God, est une chose, it is something que tu dois accepter dans ton cœur, that you have to accept in your heart. Tu dois avoir la foi, you must have faith, pour la bénédiction, for the blessing. Vous êtes en train de suivre? Are you following? C'est ça, devenir un enfant d'Abraham. That is how to become a child of Abraham. Quand on parle de la foi d'Abraham, whenever they speak about the faith of Abraham, on parle de la foi, they are speaking about parce faith, qu'il a cru à la bénédiction. He believed in the blessing. Il a cru que Dieu va lui bénir. He believed that God will bless him. Vous êtes en train de suivre? Are you following? Est-ce que c'est difficile? It is difficult. Non, c'est facile. It is so easy. Et ça doit être facile, pourquoi? And it has to be easy. Why? Adam, because Adam, il était encore poussière, was still sand, quand il a reçu la bénédiction de Dieu. By the time he received the blessing of God. Et toi aujourd'hui, and you today, tu peux aussi recevoir la bénédiction de Dieu. You can also receive the blessing et of God. Et la bénédiction descend sur ta tête, and whenever the blessing comes upon you, toutes les choses sont réparées. And everything becomes repaired. Quand on nous dit, when they say que la vie est difficile, that life is so difficult, c'est faux. It is a lie. Il faut jamais accepter ça. Do not agree to that. La vie n'est pas difficile. Life is not difficult. La vie elle est difficile. God, life is difficult. Là où il y a la malédiction. Where there's curse. Dans la maison d'Abraham. In the house of Abraham. Les choses sont faciles. Everything is easy. C'est pourquoi vous allez voir que, that's why you see, là il y avait plus de 5000 personnes, when there were more than 5,000 people, et qu'ils n'avaient pas à manger, and they didn't have food, Jésus-Christ a pris un peu de poisson et un peu de pain, and Jesus took a little bit of fish and bread. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? What did he do about it? Il les a bénis. And he blessed it. Et beaucoup de gens pouvaient manger. And a multitude ate. Et Jésus-Christ n'a jamais fait sortir la sueur. And non. Jesus Christ never sweat. Avec la bénédiction, with the blessing, tu peux avoir des victoires sans sueur. With the blessing, you can have victory without sweat. Des gens sont en train de réfléchir. When people are still thinking, pour avoir la solution, how to have solution. Toi, tu peux dormir, you can et avoir la solution. And have solutions. Alors, ça commence comment? How does it start? Quand ta tête commence à tourner selon la bénédiction. When your head starts turning about the blessing. Ta tête, your head, peut tourner selon la bénédiction. Can turn about the blessing. Alors, quand on dit que les choses sont difficiles, whenever they say things are so difficult, il ne faut jamais accepter ça. Do not agree to that. La bénédiction, the blessing, doit marcher pour toi. Has to work for parce you. Parce que tu es enfant d'Abraham. Because you are a child of Abraham. Quand Isaac avait semé, when Isaac put a seed, dans la même année, in the same year, il a récolté fois 100. And he got it more than 100 times. Pendant qu'il y avait la famine, by the time there were so many famines, lui il a récolté fois 100. And he got it more than 100 times. Pendant qu'il y avait la famine, by the time there were so much famine. And those things,
c'est pour les enfants d'Abraham. It is for the children of Abraham. Alors si tu es là, tu te demandes, ah, if you are there, you ask yourself, comment est-ce que je peux devenir enfant d'Abraham? How can I become a child of Abraham? Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, when you believe Jesus as your Lord, directement tu es dans la famille. Immediately you are in the family. Directement tu entres dans la famille. Immediately you are in the family. Tu deviens quelqu'un de la famille des gens qui sont bénis. And you become somebody of the family that is blessed. C'est la bénédiction. It is the blessing. Qui était la force. That was the power. Que David a utilisé pour taper Goliath. That David used to beat Goliath. Parce que chaque jour. Because every day. La bénédiction tape la malédiction. Every day the blessing defeats the curse. Et ce qui est bien avec la bénédiction. And what is good with a blessing? Tu peux te bénir toi-même. You can bless yourself. Quand tu entres dans la famille. When you enter in the family. Tu peux prendre la main et mettre sur toi-même. Branda, you can take your hand and put it upon your head. Je me bénis. Je me bénis. Je me bénis. Je suis enfant d'Abraham. I'm a child of Abraham. Abraham. I'm a child of Abraham. De la maison de la bénédiction. I am from the house of the blessing. Et tu n'es plus de la famille où il y a la famine. Non. You are no longer from the family of hunger. Devient ton oncle. Salomon devient ton cousin. Salomon Samuel devient ton frère. Samuel devient quelqu'un de ta famille. I am somebody from your family. Tu deviens de la famille des gens bénis. From the family of blessed la people. La puissance de la bénédiction. The power of the blessings. Elle détruit tous les fardeaux de ce monde. Destroy all the powers of this world. Dieu ne veut pas que ses enfants portent des fardeaux. God doesn't want his children to carry so many burdens. Il y a un autre mensonge. There is also another lie. Que on se dit beaucoup. That we say every time. Oh, je suis en train de souffrir. That I'm suffering. Oh, ça va me donner une leçon. That is going to give me a way. Faux. That is a lie. Il n'y a pas de prédication dans la souffrance. There is no preaching in the suffering. Il n'y a pas des enseignements dans la souffrance. There is no preaching in the suffering. Quand la souffrance vient sur toi. When suffering comes upon you. Ça vient de Dieu. Don't say it's coming from God. No. C'est faux. It is a lie. Je sais que on a entendu ça. We heard about it. C'est faux. It is a lie. Il n'y a pas de prédication dans la souffrance. There is no teaching in the suffering. Oui, les gens utilisent l'histoire des Job. They always use the story quand of Job. La souffrance est venue sur Job. When the suffering came upon Job. Il n'est pas devenu intelligent. It didn't make toutes les choses que Job était en train de dire pendant la souffrance. Everything that Job was saying during his suffering. C'était les choses qu'il a appris avant d'entrer dans la souffrance. It was things that he learned before entering his suffering. Job était déjà intelligent. He was already intelligent. Quand la souffrance est devenue sur lui. When the suffering came upon him. C'est que nous savons. That's why he used to say, we know. Ceci est là. Il était déjà intelligent. He was already quand intelligent. La souffrance est venue. When the suffering quand came. Une souffrance comme Job vient sur toi. If a suffering that Job comes upon et you. Tu n'es pas intelligent. And you are not intelligent. Elle va te faire partir. It's gonna make you go. C'est pourquoi. Reason why. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de mourir. There is so many Christians dying. Dieu. God a dit ceci. Says, je vous enverrai mon esprit. I'm gonna send my spirit. Et mon esprit va vous enseigner tout. And my spirit will teach you everything. L'enseignant de l'église. The teacher of the world. C'est le Saint-Esprit. It is only the Holy Ghost. Pas la souffrance. It is not suffering. Pas la souffrance. Not suffering. Alors, si tu comprends ces choses. If you know those things. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tout ce que Dieu peut faire avec toi. Everything that God can do with you. Est enseigné. It is to teach you. Et c'est l'enseignement de Dieu. It is the teaching of God. Comme une bénédiction that sur comes ta tête. As a blessing upon your head. Et tu commences à voir la lumière. And you start seeing light. Je crois qu'il y a des gens ici qui sont en train de voir la lumière. I know there are some people who are seeing the light. Il y a des gens ici, ils ont dit que I see people. J'ai compris. They say, Pastor, tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Vous avez compris, hein? Did you understand? Can I stop? Amen. Amen. Vous êtes le peuple béni. You are the people who are blessed. Dieu te bénit avec sa parole. God bless you with dans his word. La parole de Dieu. In the word of God. Il y a les diamants. There is gold. Il y a l'or. There is diamond and gold. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Il y a la guérison de toutes choses. There is healing of every man. La prédication de Dieu. The preaching of God. Il vient pour te dire premièrement. It is there to tell you. Que c'est toi le numéro un. That you are number one. Que c'est toi le numéro un. That you are number one. Dieu, le grand Dieu, the biggest God, il sort d'en haut, comes from heaven, il descend, and he comes down, il vient dans ta maison, he comes in your house. C'est à toi maintenant, it is for you.
apprendre à le recevoir. Amen. To know how to receive him. Et quand tu le reçois, and whenever you receive him, la Bible dit, the Bible says, je suis en train de frapper à la porte. I am there knocking on the door. Tout celui qui va ouvrir, those will open, je vais entrer, I'm gonna enter, et dîner avec lui. And supper with him. Ça veut dire quoi? What does it mean? Que Christ est Jésus. That Christ va amener le dîner dans ta maison. Is gonna bring food in your house. C'est le travail de Dieu. That is the work of God. De donner à manger. To give you food. Dieu lui-même. God himself. Il a déjà décidé. He decided. Qu'il va te donner la nourriture. To provide food. Amen. Amen. C'est ça le travail de la bénédiction. That is the work of the blessing. Parce que tu es enfant de Dieu. Because you are a child of God. Tu dois commencer avec la bénédiction. You have to start with a blessing. Chaque jour. Every day. Bénédiction, bénédiction. Blessing. Bénédiction. Blessing. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Clap your hand by glory for our God. Clap your hand again. Clap your hand again by glory.